état pour le roi Charles III. Le samedi 6 mai, le père de William et Harry a été couronné devant les caméras du monde entier et une ribambelle d'invités. Lors de cette cérémonie historique, les Britanniques ont pu voir que la réconciliation entre les Sussex et la famille royale était encore loin. Relayé au second plan, le fils du roi n'était pas présent sur le balcon. Le monarque souhaite désormais ne plus se laisser distraire par les histoires concernant le couple formé par le prince Harry et Meghan Markle. Pourtant, Charles III a ouvertement pris le parti de son fils en mettant en place un plan de licenciement. En effet, ce lundi 15 mai, après 19 ans de bons et loyaux services à la couronne, Sir Edward Young a été remercié par le roi. Il était le secrétaire privé de longue date de la reine, ainsi que le conseiller privé principal adjoint de Charles III. Son licenciement a été signifié en septembre 2022, quelques jours après le décès de la reine Elisabeth II. Le conseiller avait les quelques mois entre la prise de fonction du roi et son couronnement pour assurer la transition avec Sir Clive Alderton, le bras droit historique de Charles III. Supérieure à Kate Middleton, Meghan Markle, prince Harry, découvrait leur évolution physique grâce à ce licenciement. Meghan et Harry ont été en quelque sorte vengés. En effet, Sir Edward Young est l'homme qui a initié le mégoï en 2020 et s'est d'ailleurs montré sans pitié envers les Sussex. Harry a évoqué ses rapports avec ce dernier dans son livre Le Suppléant. Le surnommant la guêpe, le prince déclare que s'il avait le malheur d'insister sur son point de vue, alors il vous mettait sur sa liste. Peu de temps après, sans avertissement, il vous donnait un tel coup de couteau avec son dard surdimensionné que vous en pleuriez de confusion. Peut-être que cette prise de position de la part du roi est un premier pas vers la réconciliation. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Back Grid UK Best Image.